Il paraît que c'est à yenda za ki source va poison oyo ezako le carnaval présidence bato ba koboma en cascade selon les matoba koloba ne sont pas ce que c'est réalité ou yenda fausseté to yebi na noté alors tozo zela enquête et que nena non mais de fait que déjà pose photo na poser déjà ils en ont par hasard té ils en moto à sa mon la présence au basala kanaye ou ba bien très bien. Alors ce bâton lui que zaye donc zaye donc et le robot yakubo ya wana zate. Parce que Ndeko Wana effectivement a un entourage présidentiel et que y a Zalaki Oyo avant de guider au coacher le bango bas poison selon source Wana Denge et Lobaki. Alors awa tous a spéculé ensemble pour information Monsieur Bandaka Bongo moi je vais vous envoyer dans la WhatsApp et Tamboli et puis après et comme il réalité bien sûr nous sommes en haut et comme il paye na niveau ya public voilà. Mais jusque là le quoi na mboka to pedre ba to bele en tout cas ça vaut la peine d'en parler. Là je salue les amis qui sont connectés à Gabriel Mutubi à Tozan Ndeko Ndeko bien Coston Brandon Leader ok toujours appelle Moko ya Afrique du Sud. Allô? Bonjour Ndeko. Nous sommes très bien, bonne yo. Ok, c'est là que je suis connecté. On dirait que vous avez bimaté, pissé une seconde. Ok, vous êtes connecté, c'est quoi? Ok. Vas-y, allez-y, allez-y. Ah, na zone bala to mite na zala na kasi na makombozo le na mboka. Oui. Mais tout le kamoyela le bala ezali boye. Oui. Vraiment, c'est une possibilité ezali que biso ba kongole to zo na bon moko. Tout tika na séparation, tout tika na ba kofinga, tout tika na tribalisme, eza ko de biso a rien. Au contraire, il y a ko séparer biso sous makasi. Tout ça déjà infiltré. Ce qui est séparé, tout ça séparé, donc tout ça n'a pas de et puis tout ça, c'est que les gens ne sont pas morts. Tout ça, c'est que les gens se comportent en a, tout ça n'a pas de morts. Ce qui est né, c'est que les gens ne sont pas morts. Il faut tout le monde qui est mort, tout le monde qui est mort, tout ça est obligé à tout le monde à bon mort. Tout ça, c'est que les gens qui sont morts, tout ça, c'est que les gens qui sont morts, tout ça, c'est que les gens qui sont morts, tout ça, c'est que les récupérer un bon cabisot ma cambo 400 bon ça va entre et le bon bon ça il y a mis balle ok vraiment c'est possible tous à la bise tout si ma président comme moi ça mon tout ce qui te supporte pour que c'est ma cassia pour l'onga toujours mis en boucle à ma boucle à bisou donc il y a mis balle que ce qui c'est vraiment c'est pour ça moi j'allais tous autres tous supporter président tous supporter président pour imaginer que la milice ou ce qui a zaté. Imaginez ce qui va se faire dans votre mois. Ceux qui ont 18 ans, ils sont mariés, ils sont mariés. Mais ceux qui ont 18 ans, ils sont 50 ans. Sors, ils sont mariés. Donc tout ça, c'est que toujours calculé que les gens sont mariés. Tout ça, c'est que les gens sont mariés. Tout ça, c'est que les supporters présidents, tout le monde est mariés. Tout ça, c'est que les gens sont mariés. Il y a toujours En tout cas, nous mettons la même. Il y a Batobaza, au yo kansinini, Batobaza, kanisa que pour le moment, président, il faut dissoudre, Bazotina dissoudre Parlement, pour voir que, ah, jusque-là, c'est dans mon souci, au Tico Salemate, à cause du Parlement, on a tout combat dans 3 mois, on a ce qu'on a gagné, une fracata. C'est que vous avez un nini, Bato, Baza, pour le président, dissoudre Parlement, on se pose la Asie, la Nano, Yoso kansinini, n'a pas pu en avoir. Non, au moins, Bazan a raison pour Batouana. Bazan stratégie, Bazan n'a pas besoin de Bazo calculer ma communauté. Si je te vends à ton sol, Bazo se prend de mise à chaque jour. À prendre un parlement, et puis sur le parlement, constitution, sur le bâtiment, que Bazan obligé, à ça que ça va avoir une élection, on a fait de l'été. Bazan obligé, ce qui a une possibilité d'assembler, en même temps, à prendre un parlement.
Alors, ils ont essayé de mettre Boyo Kanto, Simba président, tu vas reprendre le parlement, apprendre le parlement, et tout ça, Simba est autour de la vague. Ah, de Yosa, parmi les bateaux, on va dire que le parlement ne fait pas Zana, pour tout bananer à Coco. Oui, Panzana Penta, oui, Panzana, et Panzana Po, mais le bandit en appel, Kotuana, les Kabouni à peu de l'autre. Intérêt à la bambo, intérêt à la bambo, mais comment peut-être que je suis plus bambo, madame Panzana. Et quand on a un peu de temps, il y a un peu de temps. 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 Il y a Ok, vous avez dit dictature, t'es parce que le roi Séni et Zalano organisé, vous avez dictature, t'es que le président pensait qu'à parler de moi, vous avez dit. Exact. Ils ont une dictature, ils ont une langue à Macabre qui est de bien. Mais tu vois qu'il y a un système qui est de mal, on sait que c'est une dictature. Ils ont une dictature. Ce qu'on a dit, c'est qu'on se rappelait. C'est-à-dire que nous, on a mis ce petit deux ans. Deux ans, à glisse. Alors, pourquoi pas discuter que nous n'avons pas eu. Ils se souviennent que le frère, c'est là que nous avons dit malam. Ok, amen. On a gagné de à partir de l'Afrique du Sud par rapport à l'interaction de l'Abisso. Nous sommes en train de parler de notre pays, la RDC. Où va la RDC après la mort du juge président du dossier Kamere et Jamal? C'est la question à laquelle que nous sommes en train de nous poser. Et puis, à part où on a dossier, nous sommes sur la Mouki, on est en train de parler du poisonneur de la présidence. Bazo suspecté de Kouana, comme on a dit, Ali à Fortuna Biselele, alias Bifod. Il paraît qu'il y a des agents empoisonneurs à la présidence dans le niveau Kinshasa. Selon Bato, va publier à Elokouana Basali, Balobi, qui est Ningiwana Zaki, patron, donc gérant, il y a Dona à l'Italia, magasin Oebani Makasi, Niva Gomana Bukavu, Bato, Bautikuna Baebi. Alors, Azaki recruté par Bandero Afdel, entre autres que Roubé Rouana, Joseph Kabila, ou Bandero Moussoua Roubé Kaname. Alors, là, Toyebite, ce qui est à solo, donc, le quoi Babi, qui est au Moninde, qui, je veux dire, Belela. Alors, ce que vous découvrez, c'est déjà un faux départ. Et puis, ils appellent bien pour payer la vie sur quoi on s'est décanté, tout éviter la mort d'homme. Ok. Donc, nous sommes au Benga, je pense, dans RDC. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bon, ici, chez nous, c'est déjà bonsoir. Moi, c'est monsieur Mokindi, depuis Mbujimai. Ah, oh, Mbujimai, on va aller dans le bon centre. Ah, oh, merci beaucoup. Mon frère, oui, quelle est votre contribution? Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Qui ne vous a fait des mouvements, c'est quoi votre contribution? Voilà, moi, ma contribution, d'abord, je commence par dire que il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Mm-hmm. La personne qui nous avait donné cet adage, c'est pas parce qu'il était ivre ou il était fou. C'est-à-dire, si on commence par doiter quelqu'un pour dire que c'est celui-ci l'empoisonneur, donc ce n'est pas une personne à laisser amener libre comme ça et puis le laisser voquer à ses occupations comme il veut. Donc c'est un monsieur déjà à surveiller de plus près. Ça, c'est un. Et puis des deux, c'est comme je vous l'avais dit le matin ici chez nous, bon, je vous avais dit que
Il y a certaines histoires, lorsque peut-être vous voulez parler, c'est une longueur d'avance. Peut-être nous l'avons appris ou entendu quelque part. Mais lorsque peut-être vous parvenez à les parler, on se dit, ah, c'est comme si on les mettait dans une même longueur d'onde. Mm-hmm. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. C'est comme on a toujours dit, bon, moi dans ma langue maternelle, il y a toujours, il y a un dicton qui dit, voilà, c'est même parti. Il y a un dicton qui dit, bon, en fait, ça veut dire quoi? C'est que, non, en français, en fait, ça veut dire que, bon, tôt ou tard, on finira toujours par découvrir ou avoir les commanditaires. Ok, dites ça un peu dans votre langue d'origine, je voudrais un peu entendre ça pour un peu bien m'inspirer. Dites ça un peu. Bon, sûrement peut-être avant, avant que je termine mon intervention, sûrement ça va venir, ça va venir. En fait, moi je suis parmi les foulés du Katanga de 1992, donc il y a certaines dates, lorsqu'on a commencé à les comprendre, et on a compris le vrai sens. J'avais ça tout ce temps pendant que je suivais votre émission. Mais c'est parti du coup. Voilà. En fait, ce que tu voulais dire, c'est que aujourd'hui, on dirait que tout le monde se permet de tout, et puis tout le monde profite sur tout ce qu'on appelle le COVID-19, ainsi de suite. Mais moi, je trouve ça un peu drôle. Je trouve ça un peu drôle, pourquoi? Parce que COVID-19 ne prend que tout ce qui sont UDPS. Si c'est pas UDPS, c'est proche au président de la République. Wow, ça, c'est UDPS? On est cash. On est tous dans cash. Pourquoi ça ne prend pas ceux de INC? Depuis que j'ai commencé à pleurer, je n'ai pas pleuré quelqu'un de l'INC. Ils sont là nombreux, à gogo. Il y a même ceux-là qui se permettent de nous balancer n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si, on avale. Mais pourquoi ça ne touche pas du côté INC? Bien qu'on soit tous dans cash. Ça ne touche que UDPS. Si ça ne touche pas UDPS, ça ne touche que proche au président de la République. Entre nous, faisons un peu la part des choses. Moi, en tout cas, je m'insurge. Et je ne cesse de le dire. Il n'est plus autant de bâtons de berger pour dire au président que non, bon, il doit se comporter en berger, ainsi de suite. Ça pourra faire mal. Mais ce qui est sûr, c'est que bien que ça pourra faire mal, voulais-je dire, ça, ce n'est plus le temps des bâtons. Maintenant, c'est le temps d'épée. C'est-à-dire, on prend l'épée, on déchire. Là où ça fait mal, oui, ça fait mal. Je vais prendre le cas d'Absalom et son père, le roi David. Il y a David et son fils. Ça avait fait mal, mais on finit. Voilà, ça avait fait mal, mais on finit. Et comme c'était quoi, c'est que la colère de Dieu avait frappé Absalom. C'est-à-dire, il y a, moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai été partisan de l'UDPS, membre effectif de l'UDPS, mais ça fait un temps que j'avais perdu ma carte et puis ça m'intéressait plus. Présentement, je suis sympathisant. Je ne suis pas trop UDPS ou tout ce que les gens peuvent raconter, mais ce qui est sûr, c'est que il est temps. Le président doit frapper. On n'est plus autant de se doloter ou se dire que non, on irait, c'est comme si non. Il est temps de frapper. Et le deuxième sujet que vous avez abordé, si vous suivez bien, je vous ai envoyé une vidéo. C'est comme on a toujours dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Et puis ce que je sais, c'est que dans ma langue on dit mwenji wa bubi katukula katukumeha kwa bubi bwendato, c'est-à-dire celui qui a mal fait n'est pas très loin de son forfait. Ok. Donc je vous ai envoyé une vidéo, lorsque vous allez la visualiser sûrement elle vous dira quelque chose. C'est-à-dire il y a certaines histoires qu'on ne peut pas prendre à la légère comme ça parce que c'est elle. Où c'était elle? Non.
Et en dehors même de ça, la question que je ne cesse de me poser, puis quand vous aujourd'hui, je me suis posé la question, juste quand j'ai appris la mort du juge en question. Tous ces micros-là, qui place ces micros-là? Si vous me dites aujourd'hui que ce sont les journalistes, ce sont les journalistes de la RPNC, bravo. Mais ils sont payés comment et combien? C'est-à-dire, ils sont à la portée de tout le monde. Même moi, je peux me réveiller un bon matin, je lui dis, bon, Nana Posa, Malia Mukenge, qu'est-ce qu'il faut? Bon, moi, j'ai, en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que voici tes 2000 dollars. C'est fini, ça passe. Pour eux, l'argent et la vie, donc la vie et l'argent est très important que la vie. En fait, il y a certaines histoires que peut-être vous devez réveiller matin, midi, soir, pour que les gens comprennent c'est quoi exactement. Encore un autre point pour chuter, pour ne pas peut-être monopoliser la parole. Oui, allez-y. C'est qu'il est arrivé un moment où nous, Congolais, on ne s'aime pas. Lorsque ça frappe, on oublie d'abord qu'on est Congolais. On a commencé à prendre les Bao et Baza Batouya. Bao, Bao, Kuma Baza Baouya. Donc, comme on le dit dans ma langue maternelle, les Boukoua et les Bouena. C'est-à-dire, on n'est plus au vrai sens. On n'est plus au vrai sens de notre vraie souche qu'on s'appelle Congolais. Un bon matin, si les gens disent que non, bon, nous sommes infiltrés comme ça, qu'on l'accepte. Parce que cette cohésion-là nationale que Fatih ne cesse de promettre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, nord et sud, c'est un problème. Est et ouest, c'est un problème. Finalement, à un moment donné, je ne cesse de me poser la question, qu'est-ce que nous avons eu? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur dira? Qu'on est Congolais, ils apprendront aussi accidentellement qu'ils sont Congolais au travers de nous. Finalement, il n'y a pas. Aujourd'hui, on se réveille le matin, il y a celui qui se lève pour dire que ah, tout ça là. Un bon matin, c'est un Moulouba qui se lève pour dire que machin. Finalement, comment est-ce que le pays va évoluer si nous-mêmes d'abord? En fait, c'est le premier point que j'aime souvent, en Chine. La Chine a des problèmes internes, des guerres internes que la Chine n'a jamais dévoilé au grand monde. Aujourd'hui, les Tibétains peuvent s'élever pour l'indépendance du Tibet. Mais vous allez voir que bon, ils vont gérer ça entre Chinois et puis bon, parce qu'ils parlent une même langue. Et pas mandarin. Et puis bon, parce qu'ils sont Chinois. Voilà, ça passe vite, mais entre eux, ils savent que non, ça ne marche pas. Mais au jeu de tous, moi je dis, on se contente que non, ça marche. Pourquoi chez nous, on ne peut pas adopter ça? Et les cas des États-Unis. Qui peut se frapper poitrine aujourd'hui pour dire que nous sommes originaires des États-Unis? Personne. Personne. Il y a ceux-là qui sont venus de l'Angleterre ou Grande-Bretagne. Il y a ceux-là qui sont venus, je ne sais pas moi, d'où là. Mais on finit aujourd'hui, ils sont tous américains. Et ils sont fiers lorsque leur emblème, ils se disent, non, ils sont suprêmes et ils sont supérieurs. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas adopter cette mentalité-là? T'as fait mal, mais on finit bon. Que Dieu nous assiste. Et surtout, nous en train de prier beaucoup pour que mon président ouvre les yeux. Il n'est plus le temps des bâtons de berger, maintenant c'est le temps de paix. Il doit soulever son épée pour frapper, même si ça va nous faire mal. Il y a déjà ce qui existe. On sait que les élections que nous avons gagnées, si ça devrait avoir lieu depuis 2016, il y a eu glissement. Il y a glissement de 2 ans. Voilà, donc comme glissement existe, c'est-à-dire nous, si on peut justifier ça, si aujourd'hui on casse, dans 2 ans, nous aussi on va payer parce qu'il y a eu pareil qui a existé. Vous pensez qu'il va, il va avoir la chance de survivre si jamais l'osé a dissoudre le Parlement avec... Kabila qui a encore des armes à Kinshasa. Ouais, par exemple, l'alternative d'enlèvement d'Ibrahim Kabila, ça prouve que la milice Kabila est encore opérative. Vous pensez que Kabila a la chance que ce qu'il y a dessous le Parlement, les lots, est que l'armée congolaise est obtempérée si manaye pour tous les latis, on va dire au Salema. Bon, je sais que les vrais Congolais, les vrais Congolais au sens du mot ont compris.
ils ont déjà compris et ils ont déjà répondu massivement à l'appel du chef de l'État. Mm-hmm. Mais tout ce qu'on sait, c'est que qui ne risque rien n'a rien. Par moment, il faut risquer. Même je connais, en fait, j'ai lu un peu trop. Ok. Quand on n'a pas risqué, c'est comme quelqu'un qui dirait, celui qui n'a pas été sur le terrain n'a pas droit à la parole. C'est-à-dire, tu ne peux pas nous raconter ta vie. Tu nous racontes que ce que tu as récolté sur le terrain. Mais est-ce que tu as et de même, celui qui n'a pas risqué, n'a rien. Donc, si toi, tu te dis que non, ah, ngai, façon, ma kamou, ta melonire, c'est comme si, na oko m'a raté. Tu n'es pas arrivé, effectivement, comme tu l'as dit. Voilà. Mais si aujourd'hui, tu t'étais pour être, tu dis, bon, je m'engage, quel que soit tout ce qui advienne que pourra. Et on avance, parce qu'il y a d'autres, il y a d'autres esprits qui commencent à traiter le président de la République comme si c'était leur, c'est pas moi, tout ce qu'ils veulent. Mm-hmm. À un moment là, je m'insurge contre, parce que aujourd'hui, regardez comme ce qui vient de se passer à la chambre basse. Mm-hmm. Hier, la détenue propos par Jeannine Maboune par rapport, je crois, au premier point quand le président avait décrété l'état d'urgence lorsqu'il s'agissait de la prorogation. Voilà. Tout le monde a eu à suivre ce qui s'est raconté et puis c'est tout le monde qui s'est permis finalement. Et Dieu merci, Kaboun était là, il était souple lorsqu'il a fait, bien que ça lui a coûté la tête. Mais moi je dis que c'est un brave homme. Écoute, chapeau à ces messieurs-là. Regardez, le FCC a cherché par tous les moyens pour raconter sa vie. Jusqu'aujourd'hui, Maboun n'est jamais inquiété sur les propos tenus. Et aujourd'hui, lorsque c'est Kaboun, bon, ça lui a coûté ce que ça lui a coûté là. Mais le président doit aussi comprendre qu'il n'est plus temps. Il n'est plus temps de maquiller ou il n'est plus temps de se dire que non, ça peut ou ça ne peut pas. Maintenant, il est temps de frapper. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que peu sont ceux-là qui peuvent s'abstenir, mais les puissances sont déjà derrière lui parce qu'ils ont déjà vu que c'est un monsieur intègre. C'est un monsieur qui respecte. C'est un monsieur, lorsqu'il promet, il réalise. Donc, tout ce qui est sûr dans tout cela, c'est que le président doit frapper. Et regardez, aujourd'hui, on commence même à se moquer. Parce que quand on prend un juge comme celui-ci, avec un dossier très lourd et très sensible, on ôte la vie à une haute personnalité comme ça. Excusez-moi les termes, mais ça, c'est saper l'état de droit. Moi, ma peur, c'est que l'état de droit ne soit pas une chanson. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, ça, notre peur à tous, c'est que ce ne soit pas une chanson, que ce ne soit pas un slogan. Voilà, que ce soit vraiment effectif. Tangible et palpable, oui. Voilà, c'est ça le souci de tout un chacun. On ne peut pas se rendre compte de tous les bombards, tout ce qui se raconte sur n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est déjà temps. Le président doit frapper. Assez. Même nos parents, à un moment, lorsque tu commences à prendre ton adolescence comme si c'était toi, tu es arrivé, non, ils nous frappent. Ils nous ont frappé. Moi, je compte déjà des quarantaines, mais je me rappelle à mon jeunesse. Moi, je suis coté aussi, et puis on m'a tiré aussi les oreilles. Il est temps. Merci beaucoup. C'était ça vraiment ma contribution, mon frère. Merci beaucoup, frère, pour votre participation à ce programme. Ah, merci à vous nous appeler depuis Mbujimaï. Merci beaucoup de nous suivre depuis Mbujimaï. Merci pour votre participation. Que ce soit la dernière fois, gardez ce laisse-moi scotché, branché. Abonnez-vous à notre chaîne. Comme ça, quand nous sommes en ligne, vous saurez nos publications. Vous saurez aussi intervenir. C'est une grande chose que quelqu'un nous appelle du pays et surtout de Mbujimaï et pas de Kinshasa. Merci beaucoup, mon frère. Non. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Voilà, c'est bon de quoi bien on peut partir à Mbujimaï. En tout cas, la RDC, nous sommes en train de parler effectivement de qui viendra notre pays après la mort du juge. Hein. C'est pourquoi j'ai intitulé l'émission Où va la RDC après la mort du juge président du dossier Kamere Jamal. Comme vous savez, Bazaki se posait au comparaître le 3 juin, mais malheureusement, Liwa et qu'on surprend rien dans cela. Oh, tu es bien que selon Mato, il y a eu droit à Ming, il m'explique à qui. Qu'il va recomposer sous chambre Wana et
bako bandela ba biloko o basalaki de ba de audience basalaki na caméra wana ils vont reprendre ça à zéro aussi longtemps que ba procès verbaux ils a maintenu en tout cas ba kosala réunion moko boye ba avocat ya caméra na juge aussi ka la président en charge ya ya composition wana pour ba certifier que ba procès verbal ndé yango wana procès verbaux je voulais dire changement exact et puis élément monsieur détail exact que président naye azaki suspendu pona makambo ya kolongo la bato kotika bato libanda alors ko mape bato na makala ba c'est pression moke atiki bango alors c'est fait que azaki suspendu au niveau ya conseil ya de sécurité au niveau hiérarchie yango ndé bazaki juge na biso ati kufro kotika biso oyo en tout cas yango nde comme il est mort maintenant on va recomposer composition on a pour tout mon ndenge ya avancer na procès ya Vital Kamerhe Lwakanyingenyi Kingi le président de l'UNC na ochela bino les susu moi elema wana o ya ya parti civil na Vital Kamerhe pour tous au même peu elema avant ton continuer le programme na biso tout comme déjà dans ma 40 minutes quelque chose comme ça avant tout aussi ça. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le président, je m'adresse au prévenu Kamerhe qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Monsieur le président, pourquoi vous avez parlé? Mais je sais que votre femme, non, monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le président, je m'adresse au prévenu Kamerhe qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé? Mais je sais que votre femme, non, monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Kamerhe qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé? Mais je sais que votre femme, non, monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Kamerhe qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé? Mais je sais que vous... Alors, vous avez des menaces, il y a Rocha Moto, au cas où je vais me faire un tribunal, vous voyez, Oyo. Je pense partie civile, il y a tribunal, il y a composition, on a eu se plaindre. Bon, moni et puis après, montaille gros fado. Ils allaient l'adresse n'a pas d'aller. Il y a que ça la menace. Moi quoi, n'engouana lui en tant que un homme responsable, président parti moni local INC. N'importe quel élément, mususu bolanda ou échange. Ils a qui n'embassinga qui a na juge président on a article petit cabisso qui a regardé qu'on changé colonne la couverture. Ouais, longi na ye, hein, a casque wana po atika la kaka, boye na masque po bayokana. Je ne sais pas ce qui motivation, si manango zake ndengeni ni boko benga, po bese po sa contribution toyoka. C'était quoi effectivement? Ok, yango. Question bien, monsieur. Prévention par prévention. Oui, maître. Votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait ombrage au micro de prendre votre voix et nous la... Si vous pouvez, comme la distance est gardée, l'enlever quand vous exprimez pour que nous puissions bien vous suivre. Prévention par prévention. Oui, maître. Votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait ombrage au micro de prendre votre voix et nous la... Si vous pouvez, comme la distance est gardée, l'enlever quand vous exprimez pour que nous puissions bien vous suivre. Prévention par prévention. Oui, maître. Votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait ombrage au micro de prendre votre voix et nous la...
Si vous pouvez, comme la distance est gardée, l'enlever quand vous exprimez pour que nous puissions bien vous suivre. Prévention par prévention. Oui, maître. Votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait ombrage au micro de prendre votre voix et nous la... Si vous pouvez, comme la distance est gardée, l'enlever quand vous exprimez pour que nous puissions bien vous suivre. Donc, votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait que je ne puisse pas vous entendre bien. Comme vous avez, il y a une distance entre nous, vous pouvez l'enlever, garder le masque. Et puis, c'est regrettable. Alors, il y a une supposition pour te dire qu'il y a un ministère ou un... Il y a communication, ils allient dans le ressort, il y a UNC, vous savez qui est ministre là-bas, ils ont joué le nom, mais quel est le UNC, alors on ne sait pas ce qui s'est passé. Pour lui, poisonnement à micro, ils ont quand même au moins mouqué, asperger dans le micro, c'est tout, hein. Nous on s'est occupé dans le micro, et vous voyez. Pendant la conférence nationale souveraine, Monseigneur Mosengo a demandé la couverture dans un micro. Donc, avant la conférence, ils avaient couleur rose, hein, à couvrir le micro. Le on a sûr qu'il a protégé. Et donc, mon substance, mon côté, à partir de la respiration, pour activer le conimata. Pour les aranéni, ils ont ceux qui vendent le micro. Yo, comme le loba, tant que vous avez mis ça, vous avez mis ça, chaleur, on a. Donc, et ça, là, que vapeur, mon côté, bima, et ben, dans le côté, on a basolo. Yango, et vous m'avez battu facilement, on a les camoufles à micro. Bozo, et basse sous. À faire papa Wemba n'engue les kaki, hein, à faire papa Wemba. En attendant, dans notre temps, Tori, qui est au niveau de la présidence, va aussi qu'on soit empoisonneur. Et ça, Tipouana, comme on a eu, c'est un certain Fortuna Bisselele, donc comme on a eu Bifod, Azalaki, gérant, il y a donné à l'Italie, à Goma, à Bukavu, donc c'est un gars qui était recruté par Roubé Roy. Na Kabila, tango Afdel ayaki, azali ba muto Afdel, ndenge tozo yo ka information ou tana Kinshasa, depuis Kinshasa, et yango wana, alors nous ne savons pas ce qui va se passer, ce qui va arriver, ils appellent en fonction, msouzo ou ils a vérifié te, ils a crédible te, il semblerait que à moto yo, ndeko yo, comme on est junior, itoko, il serait calciné na kachanda ko azam muto na kacha composition en partie civile na tribunal, mais ceux qui a reti pour na kufu pe juge a kufu non. On est comme mafia, ça c'est plus, c'est autre chose. On a zéro à sauter, il faut maintenant des mesures draconiennes. Les gens doivent être arrêtés, il faut répondre devant la loi. Dans ma cambo, il y a assassinat inutile, il y a bateau, ça c'est important pour notre Mboka. Vous savez que la justice élève une nation, certes, c'est pourquoi Bomonimbo Kanabiso, toutes les batteries étaient mises en marche pour le pays où on a se développé, tous en moi sorti à état de droit. À l'état de droit, ils ont un respect, il y a un droit énorme, et on sait que Moutoua s'est retrouvé. On sait qu'on va investir dans Mboka, on va investir normalement, on a un problème à temps, on va investir dans Mboka, hein. On va parler de Mboka, du développement. Un numéro de sur WhatsApp, c'est ça qu'on a fait chez l'écolo. Pour les amis avec qui on a travaillé hier, vous voyez que le lobby dans la quitté, dans les cambo, il y a annonce, il y a l'Iwa, il y a juge, wana, tout ça, il y a recoupé mes informations à gauche et à droite. Alors, jusque là, on voit Kinshasa, ce qui est sûr, certes, et ce qui est certain, je voulais dire, et ça que matin, ça déjà, la famille est en deuil. Jusque là, Bazako Senga, la autorité, a mené une enquête où ils sont en cours, et puis il y a Batou Bazala qui est encadré par la police, le coup d'avoir évité l'attroupement, mais le coup d'un choc Makasi. Bon, il y a que juge Juan avant dans la commune de Bandalunga, Banda est une commune très populaire. Il y a un mot qui va tout bon, va tout bien, soit un bateau baïti qui peut nous participer. Ok, nous sommes comme ça en ligne. Ya, bonjour. Oui, bonjour, mon frère. Moi, c'est Mardochem Bondi. Ok. Je participe à l'émission de la nuit. Oui. Je vous suis maintenant. Je suis dans la voiture, je pars au travail, mais. Ok. J'ai décidé d'intervenir à ce niveau parce qu'en fait, l'information liée à Itoko, le médecin est mort à l'INEPI, il n'a rien à voir avec la composition du tribunal parce que d'ailleurs c'est un médecin. Oh, merci mon frère, merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse mon frère. Zamba, c'est un médecin, si vous avez... Merci. Merci beaucoup. Si vous avez suivi Jean-Pierre Kayembe, il est jour. Il est pro Kabila, il est un gars, bon voilà. Mais quand même, il fait des informations, il donne,
Et il a dit qu'il connaît très bien Junior Itoko. Ils ont parlé d'ailleurs très récemment. Hein. Il discutait avec lui. Junior Itoko soutient Félix Tshisekedi. Mm-hmm. Lui, il soutient la Kabylie. Alors, c'est un gars avec qui il discutait de temps en temps sur le net. Il le connaissait mm-hmm. très bien. Mm-hmm. Voilà, donc en fait, les gens ont eu à balancer ce qu'ils pensaient balancer. Bon, mais il n'a rien à voir avec la Kabylie. Bon, quand vous êtes à solo, toute la famille serait partie dans les feux. Effectivement, parce que il était lui, son épouse et leur enfant de moins de 2 ans mm-hmm. avec sa belle-mère. Belle-mère, oui. Mm-hmm. Voilà, donc ils sont morts au nombre de 4. Les circonstances qui ont conduit à que leur maison se brûle encore connue. Mm-hmm. Est-ce que des quelqu'un qui a peu ou soit c'est un coup sur une fois? Mais à la mesure, à la manière dont nous connaissons que les choses se passent chez nous, mm-hmm. Il est de toute évidence que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé au hasard. Parce qu'ils sont morts de la même manière que les gens étaient morts dans notre vie de PS. Mm-hmm. Les gens n'ont pas eu le cardio. Quand on avait calciné les cellules de PS, oui. Mm-hmm. Et pourtant, si on salit bien au moment là, que lui, l'homme est mort dans... La pièce où il est mort, c'est une histoire de la toilette. Où oui, dans un coin. Oui, selon l'image, tout le monde est en train de partir. Mm-hmm. Il a lutté. Il a lutté. Et voilà ce qu'il a dit. Il a fait la maille. Il a un moyen, mais il n'a pas pu. Et au moment où on a dit, tout le monde peut permettre de faire des secours. Voilà. Merci beaucoup Ndeko en tout cas pour la contribution na yo. En tout cas Ndeko yo a koufité li wana yebo a koufi mais li wana n'a rien à voir avec ma juge azam de composition c'est un médecin. Merci beaucoup pour l'information. Effectivement oui, le deuxième point oui. Je t'en dis que il y a de subitation je pense ou soit par rumeur sur Bisselele. Empoisonné roi, là tiens une photo. Fortunat Bisselele, c'est un homme loyal du chef de l'État. Mm-hmm. Donc son frère Bisselele est au Canada. Son frère Bisselele est au Canada. Et donc c'est un des cas lequel on ne peut pas coller des histoires de ces gens. Oui, donc je sais que comme vous le disiez autrefois, hein, que l'enquête est en cours, mm-hmm. Les affaires tenues durant quoi, mm-hmm. mais après avoir vu cette rumeur-là, et tenu que dans la nouvelle désinformation de la part des vrais infiltrants, des vrais assassins, il n'a pas créé ma confusion pour empêcher. Vous voyez aujourd'hui, mm-hmm. nous sommes réveillés à cette histoire et à juge à Koufati. Les choses ont tourné en faveur. Il y a Jean-Jacques Mamba qui était détenu à l'époque. Vous voyez, il y a des manipulations, il y a des manœuvres, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Ceci appelle à la vigilance citoyenne. En tout cas, il faut unir les intelligences. Moi, je souhaite que. Dans l'émission, vous ayez souvent des experts dans différentes matières, mmh, selon les événements qui arrivent, qui soient des gardiens, n'est-ce pas, de la ligne de votre émission, surtout sinon que vous faites votre travail de manière et qui permet à tout le monde de s'exprimer. En tout cas, je suis très content. Mmh. Je vous souhaite revenir dans d'autres émissions. Je laisse l'espace à d'autres pour intervenir aussi. Yeah, merci, mon frère. Merci, mon frère. Oui. Je vous en prie. Ok. Donc, tu as aux informations précises. Notre téléphone, on a besoin d'un visa parti aux États-Unis. Donc, Fortuna Bisselele, comme vous voyez la photo dans le coin, il n'est pas en position d'un bal au bas. Donc, il y a une rumeur armée numérique. Tout le monde a peu perdu. Hein? Le col a bien chèquement été relaxé au niveau de la cour de cassation. Alors, il y a un peu de temps pour que nous puissions faire un buzz, Makasi, et ce n'est pas Fachi, qui a contrôlé leur côté. Entre autres, il y a lié à tout le monde la mort du juge. Que le juge est mort, on n'a pas su le protéger. Ils sont laissés à leur propre sort. Il y a un monde qui est mort à Koufi et l'homme qui est salamité. Alors, ils sont là pour ça. Et décourager le juge, il la mesure de la retenir hors la loi, il y a une cravate majorité, il y a plus de la KFCC.
Alors, nous c'est ça, nous sommes tout pour diminuer la justice Nabiso, qui ne soit pas mesure, nous sommes là, Nabango. Donc, où est-ce que travail, il y a WhatsApp, travail armé numérique, il y a quand Kabila, il semble que M. Fortuna, c'est l'un des fidèles, il y a Félix Tshisekedi, Nengezawana, et puis il serait à Nengezawana, Bakosele Makambo. En ce qui concerne Junior Itoko, Azali, médecin, Azamutu, il y a composition à tribunal, on a été bandeko. Vous voyez? Pression au tico, Kobima, il faut balancer la bilo, pour battre, tu vas tango, chaud, chaud, tango, dada, tu vas battre, Izanini. Donc, cet homme-là que vous voyez dans la photo, hein, a koufi dans ces circonstances, Moussousou. Bah, photo, bon, on a Aza brûlé, net, il y a moi, cage, moi, boye, et puis, moi, c'est moi, boye, lali, moi, na belle-mère, naé, donc, ils ont incendié, n'est-ce pas, calcinaki, batouna, eu des pèses, le roi, boko, yéba. Alors, Ndekonabisoyo, il est mort, certes, mais ils allaient que, ils allaient qui, je veux dire, Aza Moutou, il y a tribunal, wana, il y a parti civil, na katia procès à Vidal Kamere. Donc, relation exacte. Donc, on a créé un mot qui a fait que mot a fait que on a envoyé c'est l'un des juges bah protéger te bon juge a zoko fa bon moni parti civil bah là on va retourner mangon la bande d'acou donc batu ya ou bah s'opposer contre le changement bah termi surtout que Boebi Jamal n'a constaté batu mingi basa kolwale kamuya lié na Hezbollah, ce qui n'est pas aussi faux pour Boebi que communauté libanaise na Congo est très puissante, est makasi. Comme le but de mettre ma solo dans le Congo, dans la live, vous savez que la communauté libanaise à Côte d'Ivoire est très importante en termes de nombre. Donc, les Libanais dans l'Afrique, dans la Côte d'Ivoire, sont belé. Mais, au Congo, bon, la Congo est le qui est belé. Et puis, bango, au Congo, a plus de chiites. Bato, baza proche. Na Hezbollah. Al-Shabaab, t'es na Hezbollah. Ba proche na Hezbollah. Mais Hezbollah, c'est qui sait qu'il y a une arme. Hezbollah, c'est un médecin, un ingénieur, un batoutine à l'université, va apprendre à faire du mal, va apprendre à craquer le système, tout ça. Malgré que Bazan jusque là paralysé par les États-Unis, moyen de financer Babylon, on va se servir la paix, on va payer Nabiso, les pays là qui n'existent pas, hein, bah fail states, bah pays, république bananière, hein, n'est-ce pas, Bango. C'est quoi le Guantanamo, Guantanamo. Au Guantana, voilà le Guantana. Va payer le Guantana, paye mon existe à côté. Là où Moutako Zaka, deux Maliens bons, en dollars américains, Azur Azur en Kei. Toi, la paye mon robot, mon acquis dernièrement, un pilote a quitté ses avions à 4 Yanini, à Goma, dans 30 minutes, Banini, Nanzela, la piste Nanzela, pesant Nanzela, a quitté ses avions, minerai côté avion, Mathieu Kei. Sans que Kinshasa a repéré en gros sans que Moutoua contrôle en gros. Dodo a payé Mouane Nguana. Alors c'est pourquoi ils ont un terrain Mouane. Ils ont propice pour Libanais, pour que la mafia na bango, juste pour que la mboka la biso mabe. Nous devons être prudents, nous devons être patriotes. Bandeko, nous devons être bien dans le téléphone à 5 biso tous à la uni. Où ils allaient tant, il y a que la séparation tribalité. Pour ces choses ici, ce que les Félix c'est qu'ils doivent sauter. C'est une perte, ils ont perdu Makasi. Certes, que vous négociez, mais vous avez négocié, vous coûte un gars à Liboulou. Vous savez, tout en Liboulou, Makasi, pays où vous avez trouble, et ce sera même des autres mots que vous avez, vous avez la Kabila, vous avez la force, vous avez très, très compliqué pour la Mboka, la Bessouan. Alors, on doit cesser la haine, tout ce qui est tribalisme, tout ce qui est la Bomoko, tout ce qui est la unité pour payer la Bessouan qui est de l'avant. Vous savez que dans la loyauté, Jean-Marc il a payé son prix, il a payé son poste par rapport à la résistance et la combativité par rapport à la fidélité de la présidente de la République. Il faut retenir aussi Jean-Jacques Mambalelo va relaxer par rapport à la poursuite. Il y a opposition, mais FCC pour le Mango, ils ont victoire. Ils ont victoire du fait que à cour de cassation, à Tiki, poursuite Johnson. Contre personne, il y a Jean-Jacques Mamba. Donc, na rochelle mino sou belema ba vidéo na mission de base, to tiko sou na quart d'heure émission na biso avant tout se séparer, to na sou mamouke au convention za ki entre à parti civil na Vital Kamel. Monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le président, je m'adresse au prévenu Kamere qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure, Monsieur le Président, pourquoi
Vous avez parlé, mais je sais que votre femme, non monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le président, je m'adresse au prévenu Caméré qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Monsieur le président, pourquoi vous avez parlé, mais je sais que votre femme, non monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le président. Voilà, ouais, là c'est une partie. Il y a pour ce Tolanda qui, pour ce Moïbaounga, na diffusé qui, ils ont environ à 4 heures du temps, 4 heures 45 minutes. Moubimba, n'ingeleka qui, ils ont accroché, je vous ai parti à Obo, au cas parti civil, et qu'on se plaindre, la menace, il y a M. Vital Kamere. Et puis il y a Tolanda, c'est ce logo, M. Tolanda qui est un peu intriguant, ils ont dit qu'il est insolite. Tango, avocat Moko et conseil à défense, c'est Vital Kamere, Azou Seng, on a jugé au Tikoti Kabiso qui est à Longola, protection à Yepo, Asola, Karanakati, il y a masque, et puis après, Batobako, le Kamboya, il y a possible empoisonnement, Toyo Kanano. Prévention par prévention. Oui, maître. Votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait ombrage au micro de prendre votre voix et nous la... Si vous pouvez, comme la distance est gardée, l'enlever quand vous exprimez pour que nous puissions bien vous suivre. Prévention par prévention. Oui, maître. Votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait ombrage au micro de prendre votre voix et nous la... Si vous pouvez, comme la distance est gardée, l'enlever quand vous exprimez pour que nous puissions bien vous suivre. Prévention par prévention. Oui, maître. Votre honneur, il semble que le masque que vous portez fait ombrage au micro de prendre votre voix et nous la... Si vous pouvez, comme la distance est gardée, l'enlever quand vous exprimez pour que nous puissions bien vous suivre. Alors les amis, pour terminer, alors on doit conclure maintenant, on doit boucler, je dois partir maintenant que j'ai déjà fait plus d'une heure d'antenne. Alors la participation va continuer pour les amis, demain on va rentrer encore un peu tôt pour commencer les séries d'échanges entre les amis pour bien se retrouver, bien faire une interaction pour informer notre peuple. Notre objectif c'est vous donner une plateforme où on donne la vraie information. Alors on va lancer un sujet, si vous avez un démenti avec une chose qui va pour notre information, on va le faire pour un peu relaxer les gens avec les informations confuses qui sont dans, surtout dans WhatsApp, les informations et au Pesabino, arrêt cardiaque, crise cardiaque. Merci beaucoup, j'aime Nabino, merci. J'ai apprécié Mingi. Bon, c'est un peu dans YouTube pour ça, bien, j'aime mon amour ça dans Facebook. Je disais que Neko Oyo, voilà, comme on a dit ça, Nexan de Combo, c'est encore. Voilà. Voilà. Neko Fortuna Biselele, c'est l'un de Mouta Kolaborana, Félix Tshisekedi. Donc, il est Aza empoisonneur. Nenge ba Tambosi information, Yamabe, dans le niveau de WhatsApp. Donc, ce n'est pas lui, c'est pas lui la cible. Bah, ou l'inga ou créé, c'est tout moi. Il y a division entre battre on a quatre gouvernements administration alors biso ndeko to un devoir il y a qu'établir vérité ndeko biselele ce n'est pas lui balingi basa relo ko biselele ce malelo les camoja Jacques Mamba juge na les camandeko oyo a oti koti kabiso ses frères ici c'est un médecin azamunganga donc tipo yo azanité hein zana kitsa en photo pour le qui moi mon nene pour tout monde en a bien. WhatsApp ma bien. Voilà. Ndeko azamunganga, c'est un médecin. C'est un médecin à sa tribunal té. Ndeko parti civil à tribunal, moko ya ba juge wana do ba avocat parti civil, ba kutaki a kufi na ndako batumbi et tout ça non. Ndako yo baza victime ya incendie, do baza calciné na moto. Mwimbo kalbisu ngene la kayen ba because la
court-circuit et cause la attaque mon gars tout règlement des comptes mais c'est qu'en fait c'est que nous mangons bah on se met à tourner la koufi et le gars ils ont le salami na butu le même jour au juge on a koufaki donc moi tout subitement et moi si moi nana belle mère bah on est qu'on s'est jamais été une déco junior itoko donc de quoi ça médecin ça mon gars c'est un jeune médecin ça n'a moins de ce qu'il y a deux ans moi on a peut aussi à aussi peut donc ça n'a rien à voir avec ils ont rapporté na pros na ni na liwa ya juge ils ont peut na rapporté na procès il y a vidéo caméra na Jamal donc on a bien loco n'engna n'engue beau retenir bandeko et puis information sur les allées que Jean-Jacques Mamba va relaxer niveau ya il y a cour de cassation bakolandele il sous-souté en tout cas tokomisko ko se séparer en tout cas tokokuta en solo bi pour l'interaction sousou hein les lois banda qui est pas en retard pour lobby dans la qui presque pas dans la qui bah 3h du matin alors merci à tout le monde qui nous a suivi merci à tout le monde là je remercie ma petite soeur Joël Kapinga je vois il y a Jen Foura Pascal Mounyamahina, ya Alaki a Lukalu, beaucoup d'amis Romain Matabishi, Yaba Futu, c'est ça. Mbouya Sanga, Monsieur Claude, mon pasteur, Fifi Kizeidioko, Wasala, Ilunga Bele Bele, je ne sais pas s'il est encore avec nous, ceux qui se sont contactés avant. Mami Malamba, Robé. Alors tous les amis, y a Paul Wabelango, tous les amis, Pita Kadima Musongela. Les amis, merci beaucoup pour votre connecté à mon stream sur Facebook Watapeture. Merci beaucoup les amis, on va se revoir demain et puis continuez à vous abonner à notre chaîne, à nos deux chaînes YouTube. La première chaîne c'est comme vous voyez dans la, sur la, au-dessus de la bande passante, Mouké Image Studio, abonnez-vous là-bas. Et puis les autres peuvent aussi s'abonner sur Africa TV Network. Donc abonnez-vous sur ces deux plateformes là, c'est là où nous faisons notre travail des médias. Merci beaucoup les amis, on va se voir demain sûrement. Sans faute, merci et à la prochaine. Salah, il est pasteur, je ne sais pas si c'est la cause.